動きはもう見切っているよ。Hey les amis, c'est Letko, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Attendez, baisse un peu le son. Voilà. Hop. Donc voilà. Donc, prédiction, comment dire, qui s'est confirmée. Le tacle immobile, le tacle de Michael contre le Cameroun, où il arrête deux joueurs en même temps. On avait vu juste. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'aller chercher le tacle? On verra. J'ai failli dire Watensi, je sais pas pourquoi, mais bon, bref. Je suis pas très bien réveillé, les amis. Hein. On a fait un super live hier, franchement, les gars. Surtout le dernier match, c'était n'importe quoi. J'ai revu le match. Et j'ai même clippé le but de Margus. Donc voilà. Allez, c'est parti. Allez, on va voir ce que le jeu nous attend. Qu'est-ce qui nous attend? Alors Michael, de toute façon on va le voir. Bobang, il y a aussi Yuga, Alberto. Okay. Ah, pas mal. Ah, bien. Didrin Ball. Ça nous fait 10, 20, 30, 40, 50. Voilà. 50 Dream Ball en 15 jours. Voilà. Bonus de connexion. Ça fait plaisir avec des ballons. Ça fait plaisir aussi. Parce que les ballons, je ne vais pas vous mentir, je suis un peu en chien. Je suis un peu en chien de ballon, mais bon, ça va le faire. 30 tickets Dream Pot aussi. Et 15 tickets Zap qui fait plaisir. Ok, cool. Cool. Hop. Voilà. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il y a comme news, s'il y a des news. Ok. Ah, le Schneider. Bon, le Schneider qu'on connaît, qui est en palier. Donc là, il y a le Levin, palier payant. Et là, il y a Schneider. C'est pas des nouveaux joueurs, hein. C'est des joueurs qu'on connaît. Hein. Enfin, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. Ah, si je dis pas de bêtises, c'est bien ça. C'est... On les connaît. Allez, boutique. Avant de démarrer l'analyse du joueur. Bon, j'ai un peu vu ses stats, c'est pas un truc de fou furieux. Hein. Ok, donc là il y a des packs. Okay. Donc là vous avez bien évidemment les packs à 50 centimes comme d'habitude. Ah oui, le nouvel event à médaille. Ok. Comme d'habitude, 30 médailles or qui est nécessaire. On a une formation. Alors, la formation elle est ultra offensive. Il y a celle-là qui peut être pas mal. Le 4-3. En fait, le 4-3-3 en fait. On va voir celle-là. Toujours endurance plus de 10%. Ça peut être intéressante. Ça peut être intéressant. Allez, on a... Ah non, ah oui, d'accord, on a les maillots, mais on les a déjà seulement. Osef complet. Par contre, on aurait bien voulu avoir le nouveau maillot, le 2021. Ouais. T'as faire celle-là. Joueur collège. Attaque plus 10. Ouais. Attaquant et milieu offensif, attaque plus 10. Tu t'es allé chercher celle-là. Pourquoi pas celle-là? Pourquoi pas celle-là? Ok. Tacle rapide, voilà les tacles. Ah les salauds, ils ont laissé les SR.
Les salauds. peut-être dans le marché des Dreamball, on va voir. Les salauds, ils ont remis juste les... Ah, ils savent très bien, parce que s'ils mettent les SPS, ça va être trop fort. Bah, pour ceux que j'ai rencontrés dans le PVP qui venaient de drop et qui n'ont pas eu encore les SPS défensives maintenant, ça va être chose réglée. Voilà. Des ballons pour Yuga, des ballons pour Jito. Ouais, bon, on connaît. Okay. Bon, maintenant le moment de vérité. Est-ce qu'ils ont mis au moins l'interception S dans le marché à Dream Ball? Putain, ils ont rien mis, les salopards. Ah, les salauds. Les salauds. Ah, ils l'ont pas mis. Hein. Putain, j'y ai cru. Hein. Bon, bah, j'ai eu au moins une prédiction. Qui s'est avéré juste. Voilà, qui s'est avéré juste, mais... Dégoûté. Franchement, dégoûté. Putain. Ah, les gars, ça fait 6 mois qu'il est sorti, Michael. Il serait peut-être temps de sortir l'LSP défensif S dans le shop. Putain, les salopards. Attends, je regarde juste un truc. T'inquiète pas, je peux faire un match. Ok. Ouais, hier on a fait un live magnifique, on arrive en platine. Ok. Bon, allez, on va aller voir le Michael. Désolé les amis. Ouais, le Lévis, on le connaît, le vrai en fait. En fait, ils t'ont mis dans les paliers payants des joueurs qui sont déjà dans le pool, quoi. Donc, c'est pas un joueur qu'on connaît, le joueur qu'on connaît pas. Après, si vous le voulez absolument, allez jusqu'au palier 5. Voilà, si vous avez des Dream Ball payés. Allez, on va aller voir le beau gosse. Allez. Le joueur qui réinvente le football. Vert. Voilà. Il est vert. 1215. Très 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 fort en stamina. Bien. Rising Sun. Désolé, je viens de me réveiller, c'est pour ça. Rising Sun Espagne. 24438. Dribble. 7005. Tire 9005. Hein. Et 7005 en passe. Défense. 20135, 8600 en tacle, 4700 en contre et 6600 en interception. Voilà, milieu défensif, toujours pas de milieu offensif. Voilà. 19580 en physique, 7358 en rapidité. Ok. Ah, les bâtards. Ah, ils ont mis les deux SP et les deux SP qu'on recherche c'est vraiment des bâtards. Désolé pour les gros mots, mais... Attends. Voilà. Voilà, je vous ai mis l'OST du beau gosse Michael. Putain, les sons. Bon, bah là, c'est... Il n'y a pas d'autre choix que mettre... Si vous avez un doublon Michael... Dribble S, passe S, et vous, il vous faut la frappe S. Bah oui, forcément, regardez, 9005. Si t'as pas le tir, frère, voilà. Mais tu vois, ils ont mis l'interception S, 6006. Ouais. Bon, après, il a la maître de la zone centrale qui va tout le temps prog, plus 30%. Vu qu'il est milieu défensif, donc tu mets milieu défensif dans l'axe, et ça c'est activé quasiment à 100%. Donc 30%, alors on va faire un calcul très rapide. Ouais, il est à 9000 de. Il est à 9000 et quelques de passes, 9000 et quelques de dribbles.
Et là, il dépasse facilement les 10 000. Là, tac, 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 ça fait. Ouais, il a 11 000. Il a 11 000 de tir. Gros tacleur. Gros tacleur. Moins bon en interception. Même avec les 30%, je suis pas sûr face à des Raphaël, il va prendre. Je sais pas. En plus, généralement, en PVP, Raphaël, les gens le mettent sur le côté. Donc, il va éviter la zone centrale de Raphaël. Vert, Raphaël, il est bleu, donc, ouais, avantage couleur pour ce Mickaël. Ouais, il faut absolument la frappe. Ça c'est obligatoire. Mettre la frappe S. Ils n'auraient pas mis la frappe S dans le shop, hein. Même pas ils l'ont mis. Hein. Même pas à 25 ou 30 dB quoi. Si t'as pas le doublon du Dreamfest, t'es mort. Voilà. Enfin, c'est pas que t'es mort, tu peux le jouer, mais que en version défensive. Parce que le A80, ça suffit plus maintenant. Il faut la passe S au moins. Allez, on va aller voir les liens. 2% pour tous les joueurs équipe avec au moins un joueur. 3 joueurs Rising Sun, facile à prog. Bah, déjà, si t'as lui et Raphaël, déjà t'en as deux. Et plus un autre, je sais pas, j'ai une bêtise. Qu'est-ce qu'il y a comme Rising Sun qui veut. Ah, moi, je joue le Igawa. Donc, le Soga aussi, je crois. Voilà. Très facile à activer. Très facile à activer. J'ai le comment il s'appelle purée, le Naturezza Rising Sun. Très facile à mettre en place. Avec au moins deux joueurs européens de type technique. Pff, en fait, lui me le fout. Bah, lui me le fout parce que je joue non Jap, vert. Bah, j'ai Hugo, Hidalgo. Bruno, attends, en vert j'ai Hidalgo, Bruno, ah non, européen, attends, j'en ai combien de verts européens dans ma team? En fait, j'en ai que deux. Bon, après, il y a moins de mettre le Cruyform. Il y a moins de mettre le Cruyform. Récupération 50%. Il a un shield, deux shields. Putain, ça veut dire que tu peux pas le sceller lui. Lui, tu peux pas le sceller lui. Et bien évidemment, distance de dribble 5 x 5 comme le Dreamfest. Il est intéressant, mais il a un profil plus. Pour moi, c'est pour moi que je dis ça. C'est mon avis à moi, mais un peu plus défensif. Même si en tir, il est fort. Attention, je dis pas le contraire. En tir, il est fort. Voilà. Dribble aussi, hein. Attention, dribble pas assez fort. Mais est-ce que c'est assez fort face à des gros intercepteurs? C'est ça que je me pose comme question. Tu vois, parce que là, tu vois, le dribble, il a 8006, plus les 30%, ça fait mal. Ça fait très très mal en tacle. Ouais. Donc voilà, les amis. Hein. Voilà, Club veut nous obliger à. Nous obliger à invoquer, bah, pour récupérer les ça, parce que l'attaque, il monte à 490, hein. Gros tacleur, mais même interception 415. Ouais, il coûte assez cher, hein, le tacle 440, hein. 440, ça fait mal, hein, en termes de stam, hein. Ça fait très très mal. Bon, bah, les amis, je crois qu'on va s'arrêter là. Hein. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Rien. À part qu'en ce moment, on fait des bons lives sur Twitch. Donc, je vous invite vraiment à me suivre sur Twitch. Bah, tenez. Allez, on va voir si on va drop le SSR. Non. Ah, je peux encore faire. Non, c'est vrai. Tu vois, pour moi les Dreamfest, ça doit être des sortes de Dream Potes.
quand t'as déjà droppé une fois le perso, tu peux plus redropper une deuxième fois ou une troisième fois. Pour éviter les doublons, les triplons, que les joueurs soient frustrés et tout. Pour moi, ça doit être ça, frère. Voilà, je suis désolé, ça doit être comme ça. Ouais, ça stoppe deux joueurs. Ouais, beau gosse quand même. Ok. Bon bah les amis, je crois qu'on va s'arrêter. Hein. Et moi je vais me recoucher. Voilà. Moi je vais me recoucher. J'ai vu qu'il y avait d'autres news. Je sais plus où est-ce que j'ai vu ça, d'autres news qui est arrivé. Bon, on a vu qu'il y avait Schneider qui va arriver. En tout cas, je sais pas, ils ont pas parlé de la... J'ai pas l'impression qu'ils ont parlé de la mise à jour PvP. Alors, on va voir un peu s'ils ont détaillé la news. Non. Changement de l'icône. Ah ouais, justement du temps de décision, après utilisation. Ça c'est pour aujourd'hui. Il faudra tester ça en PvP. Peut-être qu'on va tester ça ce soir en PvP. On va essayer de voir. Bon bah voilà les amis, on va pas faire tarder cette vidéo plus longtemps. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du Mickaël, ce que vous avez invoqué dessus, ce que vous l'avez eu. Qu'est-ce que vous avez fait, est-ce que vous avez donné à manger au Dreamfest, etc. Est-ce que pour vous, le Dreamfest revient dans le game avec ce tacle qui est très très fort, 490, c'est très très fort. Est-ce qu'il est capable d'arrêter par exemple le nouveau Naturezza ou le nouveau Tsubarsa qui est quoi, il est vert, donc vert, l'autre il est rouge, donc il faudrait voir. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, à me suivre sur Twitch aussi, voilà, sur Twitch, et me suivre sur Twitter, c'est là où je mets toutes les infos quand je live pas, etc. Et moi je vous dis à très bientôt, à la prochaine, c'était Letgo, je vous kiffe, ciao!